Dans le dernier épisode, je vous avais présenté le Cubestival qui arrivait à Trackmania. Pour aujourd'hui, toujours au festival, nous avons organisé un concert. Enfin, surtout Lilou. Donc prenez votre petit popcorn, une petite boisson, installez-vous et suivez-moi. Bonjour à tous, bienvenue. On m'attendait la du honte. Coup, dans ce premier concert, suivi ensuite de notre Planète Cube, si vous voulez assister, ça sera sur la scène J'ai pas de de quoi la grignoter, radio. c'est Si triste. jamais pour découvrir du coup notre Lil Cube qui va se confier ce soir après ses musiques. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que on commence le concert direct. C'est ça, Monsieur Lil Cube? Oui, allons-y, allons-y. Y a pas de On première commence partie? par quelle musique? Let's go! Trois petits chats. Trois petits chats, c'est parti. C'est ma préférée, ça tombe bien. On vous a pas demandé, madame. Allez, c'est parti! C'est que... D'accord. C'est bon! Ah oui, faut augmenter la musique pour ceux qui l'ont baissée. Augmenter la musique IMP, hein. IPMP, ouais. Wow, Lil Cube. C'est trois petits chats avec un chapeau de paille. C'est trois petits chats avec un chapeau de paille. Oh là, c'est une dinguerie. Alors, ouais, oui. Oh, y'a un problème. Les gars, j'étais pas en train de parler pendant... Est-ce que c'est disponible sur toutes les plateformes? Non. Je crois qu'il fait du playback. Ouais. C'est déjà il fait du playback et en plus il a mis du caca partout. La danse a été trop bien, la danse a été trop bien. J'ai pleuré de joie, je remets beaucoup de choses en question à propos des bouseux. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous. Oui. Déjà fini, voilà, ça fait un peu cher. Mais c'était gratuit. Oh le rat. Oui, les cassettes sont en vente après l'émission. Combien? C'est quoi les prix? Oh trop bien. 1,50€. Je veux un autographe. Moi aussi, j'ai un carnet d'autographe pour les ouais. Et moi, je signale que le fond coloré vient de la boutique C'est parti, la seule boutique rouge de votre festival, pour un prix tout à fait promotionnel. Par contre, ah, il va dire un truc. Oh, il va parler. Peut-être qu'il va faire autre chose que péter. Faut lui en mettre une, faut en mettre une, c'est bon, voilà, j'en ai c'est bon, je crois que c'est le track. Faut en faire un sample, c'est pas possible, c'est trop fort. C'est le track, hein. Ou alors c'est son nouveau album, la truc. Ah, punaise. Ouais, monsieur Lil Cube. Merci. Et bah c'est parti pour notre première émission, du coup, Planète Cube, en direct de Cube Estival. Ouais, on est on air, Alors, on va découvrir du coup notre cher Lil Cube. On commence tout de suite, monsieur Lil Cube. Du coup, parle-nous de tes débuts dans la musique. Alors, mes débuts étaient plutôt un peu compliqués. Vous savez, je me suis mis au rap quand j'avais 4 mois, je crois. J'écoutais du Tupac en buvant mon biberon Nesquik d'ailleurs. Très, très éveillé, hein, très éveillé. Du coup, par la suite, j'ai sorti mon premier classique à l'âge d'un an. Le titre, c'était Areux, je crois. C'était des textes profonds déjà à cette époque, mais bon, mon flow sur les prods était un peu aléatoire, je n'avais pas trouvé mon identité d'artiste encore. Lil Cube ! Et oui, du coup, Lilou, ça me va, c'est à mon tour. Alors, en fait, du coup, suite à la question qu'on t'a posée avant, je me permets de te tutoyer. Bon, tu as commencé très jeune d'après ce que je vois dans la musique, mais tu as fait quoi avant ? Alors, au début, je vendais des kebabs, mais sans pain et sans viande. Et j'avais pour projet d'ouvrir une boucherie végane. Mais vous savez, la rue m'a eu... S'il vous plaît, là, vous pouvez la virer au fond, là, à gauche. Non. Vous savez, la cité m'a eu, après, la rue m'a eu. Il m'est arrivé de faire quelques bêtises. Notamment une fois avec... Une fois, j'ai traversé... J'enregistre le vent, s'il vous plaît. J'enregistre. Ah ouais. Oh, c'est chaud, quand même. Le petit bonhomme était rouge. Mais vous savez, à cet âge-là, on réfléchit pas trop. On est jeune, on fait des bêtises, quoi. Et bah, du coup, pourquoi avoir choisi la musique et pas plutôt les kebabs ou les boucheries véganes? Est-ce que c'était une carrière prédestinée pour toi ou pas? Ça en pose des questions, moi. Ouais, tu parles mieux des toi, ouais, super. Du coup, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai été dedans à l'âge de 4 mois, donc forcément, la suite logique des choses, c'est que je finisse contrôleur de bus. Bon, écoute, ok, j'en suis sous envoi, bouche bée. Mais du coup, j'aimerais savoir quelles ont été tes influences dans la musique. Du coup, comme je vous l'ai dit, à l'âge de 4 mois, j'écoutais du Tupac. Ouais. Je me sentais concerné par ces textes, notamment par la guerre de gang, tout ça, vous savez. Mais j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet. Si on pouvait passer à l'autre question. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas honte de poser des questions comme ça, c'est super intime. Non, les vrais journalistes, ils posent pas les questions qui fâchent, hein. Du coup, on va quand on a de la bouse dans la main, on devrait se taire. Hein.
Baby, ouais, hop. C'est bien vrai, ça fait réfléchir. Pourquoi par l'album là qu'on a écouté, parce que votre album s'appelle Mon enfance, du coup, pourquoi ce titre? Alors tout simplement, ça parle de mes traumas quand j'étais petit, notamment cette saloperie de souris verte qui courait dans l'herbe. Je m'en suis jamais remis, vous savez. Fallait que j'en fasse un son, que j'exprime toutes ces émotions à travers ce son. Et je l'ai mis dans l'huile et ça a donné un escargot tout chaud. Ah, donc c'est du vécu, quoi, du coup. C'est du vécu. D'accord. Cassou, c'est bon, tu peux ose, tu peux y aller. Hein. Ouais, j'ai déjà eu un autographe, moi, c'est bon. Comme vous savez, j'aime mes fans, moi. Hein. Les fans avant mais... tout. Ah, c'était pas trop ce qui avait été dit avant, mais... Il m'a obligé, hein, mais voilà. Mais j'ai parlé à mon agent, il m'a dit que je devais dire ça. Ah. Mais non, mais c'est un mec qui... Tu t'en sors? Ouais. Non, mais c'est pas signé, il faut le signer. Tu veux de l'aide pour quoi? Ah oui, je vais le signer. Il faut juste trouver de la place. Ah, c'est pas signé. Ah. Ah, c'est pas mal. Oh, le mélange de musique, quelle horreur. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Litcube? Oui. Il y a quelqu'un qui s'amuse. Puis-je vous demander de prendre une photo à... Je crois que j'ai sur pas trop le choix. La scène principale. Et suivez-moi, oui. Monsieur Litcube. Est-ce que l'album est disponible sur les plateformes de streaming telles YouTube? Aucune idée. Ah, c'est... C'est pour ça, t'as vu, il y a... Il y a une pochette, quoi, de P. Bah ouais. Toi, moi, j'achète. Moi, j'ai tout acheté, c'est bon. Ouais, moi aussi. Tout chaud. Il y a un Joe spécial sur le tir. Ouais, du fou. En vrai, c'est génial. C'est trop bien pensé. Trois crottes. Il y a la star ici. Ah, dès le début. Ah, ok, justement, c'est dans l'ordre des croissants. Ok. Ok, oui, effectivement, c'est... Ah non, en fait, je sais pas c'est dans quel ordre la liste. Plus on monte, plus c'est récent.